C'est Nedarim, traité Nedarim, Daf feuille numéro 28, nous sommes à la feuille 27, trois lignes avant la ferme à pitié, la la haragine. On peut faire des vœux pour se protéger de tueurs, ou les Haramines, ou de voleurs de biens, ou les Moursines, ou de questeurs d'impôts. Chez Hit en jurant que le bien est euh, du prélèvement aux prêtres, il ne chez notre Rouma. Alors qu'il ne s'agit pas de prélèvement au prêtre. Chez ou que les biens appartiennent au roi, enfin plus chez Enchel Betameler, mais qu'ils n'appartiennent pas au roi. Omrim, l'école de Chamaï, Bakol Nodrin, on peut faire dans ce cas toutes sortes de vœux, mais pas de serment, parce que la sanction pour les serments est plus sévère. L'école de Yisrael dit, af mishvoah, même des serments. Le chama'im brim leif ben benedir. L'école de Chama'im dit, on n'a pas le droit de commencer soi-même à faire un vœu si il ne l'a pas demandé. Le chama'im brim af tahrlo. L'école de Yisrael dit, on a même le droit de commencer soi-même. Le chama'im brim machi me diro. L'école de Chama'im dit, on ne peut faire un vœu que sur ce qu'il a exigé. Le chama'im brim af machi hu me diro l'école le dit même sur ce qu'il n'a pas exigé Kitsar commence là Marlowe, il doit Netli. il lui a dit dit je fais un vœu pour interdire à ma femme de profiter de moi si ce que je dis n'est pas juste et lui a dit j'interdis par un vœu ma femme et mes enfants de profiter de moi l'école de pour la femme, ce sera permis, ou Bana mais pour les enfants, ce sera interdit. Bethilalomri, mais l'école du Laliz, et nous Et les uns et les autres, ce sera permis. Gma, v'a de ma Comment peut-on dire qu'on peut faire un vœu pour se protéger du question d'impôts Pourtant, ch'mou, elle a dit les lois du pouvoir royal sont des lois, donc c'est une obligation de payer ses impôts. amaravkana. Amar de de On parle ici d'un question d'impôt qui n'a pas de règle fixe. Dans la maison d'études de Rabi on a dit, on parle ici d'un question d'impôt qui s'est nommé lui-même. Donc la Mishnah disait, il peut faire un vœu que ses biens appartiennent au roi alors que les biens n'appartiennent pas au roi. Rinadar, la Gmadi demande, mais comment il fait ce vœu Amrav, Amrav dit au nom de Rav, Boma bah Yasru Perota Olamalai, Imenan Chebeta Meller. Par exemple, il dit, J'interdis tous les fruits du monde sur moi, si ces biens-là n'appartiennent pas au roi. Et Manda Yasru, il s'est roi, l'école Péréalma. Alors, la Gmadi, dit, alors, s'il a dit qu'il s'interdit, ça devrait être interdit pour lui tous les fruits du monde. Boma bah Hayom, on parle d'un cas où il a dit, je m'interdis sur moi aujourd'hui. Il est maraïom, non, mais qu'à bel mine, mon Mais s'il dit uniquement aujourd'hui, une question d'impôt, ça ne va pas lui suffire. Mais au même béné, boi yom, moti misso tovsta. Non, dans son cœur, il pense aujourd'hui, mais avec ses lèvres, il ne prononce pas le mot aujourd'hui. Enfin, regarde le surélande de varim chez Belev et Et bien que nous avons pour règle que ce qu'on pense dans le cœur, c'est pas pris en compte. Ici, où il s'agit de cas de force majeure, c'est différent. Donc, la Mishnah dit que selon l'école de Chamaï, on peut faire des vœux, mais pas des serments. Selon l'école de Chamaï, on peut faire uniquement le vœu qui a été exigé. Et l'école de Hilal dit que même s'il s'agit d'un vœu qui n'a pas été exigé, et ça, à netli S'il lui a dit, fais le vœu euh, en disant que ma femme ne puisse pas profiter de moi, et il a dit, je fais le vœu que ma femme et mes enfants ne puissent pas profiter de moi, mais selon l'école de et pour la femme ce sera permis, pour les enfants ce sera interdit, et selon l'école de Hilal, pour les uns et les autres ce sera permis. Avon dit, Tana, il y a une brève qui dit, le Shemaï l'embrim le yiftarchlo bishvoa. Sur le col du il ne peut pas commencer lui-même à euh, dire un serment. Mais il l'embrim à yiftarchlo bishvoa. Et sur l'école du Lé, il peut même commencer lui-même à prononcer le serment. La Gemara demande le Shemaï ha benedai yiftarchlo. Sur l'école col du Shemaï, est-ce que c'est seulement le serment n'a pas le droit de venir de lui-même le prononcer Mais s'il s'agit d'un vœu, il pourrait venir de lui-même le prononcer. Pourtant, nous avons vu dans la Misha, sur l'école de Shama, il ne peut pas venir de lui-même pour euh, faire un vœu. Mais tout, il y a encore une autre question. Est-ce que c'est seulement venir de lui-même qui n'a pas le droit concernant un serment suivant l'école de Shama, Hamidar Nadar Et Ça voudrait dire que si on lui exige, il aurait le droit. De faire un serment. Pourtant, on a vu dans notre Mishnah que sur école de Shamaï, on a le droit de faire toutes sortes de vœux, mais pas du tout de serment. Dans notre Mishnah, on a parlé des vœux, qui n'a pas le droit de commencer de lui-même, pour montrer la force de l'école de Shamaï, qui exige qu'il ne commence pas de lui-même. Alors que dans la brahita, on a parlé des serments qu'il ne peut pas venir prononcer de lui-même, les pour montrer la force de l'école de hillel qui, eux, permettent, même pour les serments, de commencer de par lui-même. Avachiyama, Avachi lui répond autrement et dit voilà comment il faut comprendre cette Braïta. Le omrim, selon l'école de chamaï, il n'y a pas de possibilité de délier euh, un serment du tout en trouvant une porte de sortie. Alors que sur le corps de il y a possibilité de délier un serment en trouvant une porte de sortie. Donc on parle des serments en général. Ma il suivante. Si quelqu'un dit, voici ces plantations, je les interdis comme un sacrifice si elles ne vont pas être coupées. Dans les Okorban, ce châle sera considéré comme un sacrifice et maintenant il serait fait si il n'est pas brûlé. C'est donc consacré, mais on peut racheter. S'il dit ces plantations-là sont considérées comme un sacrifice jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Tali s'il dit, ce châle là sera considéré comme un sacrifice jusqu'à ce qu'il soit brûlé. En il n'y a pas de possibilité de les racheter. K'mara, la k'mara demande Dans le premier cas, on n'avait qu'à dire, ils sont sanctifiés ou ils ne sont pas sanctifiés. Et l'agmara répond Aïdé débat en Étant donné que dans le deuxième cas, on devait dire qu'il n'y a pas de rachat. C'est pourquoi dans le premier cas, on a enseigné qu'il y a un rachat. Rhinada, de quel euh, vœu s'agit-il Amar Amemar dit On parle du cas où il dit Si elles ne sont pas coupées aujourd'hui, elles seront comme un sacrifice. Les et et passer la journée n'ont pas été coupés. Mais alors qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'elles sont sanctifiées? Pshita, c'est évident puisqu'il a fait le vœu. L'autre qui gondika zika ne On parle ici d'un cas où il y avait un vent très fort et les plantations devaient être arrachées par le vent. Et on vient nous apprendre qu'on ne dit pas que le vœu n'est pas valable parce qu'il était sûr que ça allait être arraché, donc il n'avait pas l'intention de se l'interdire, mais il se l'est effectivement interdit. La a poursuit en disant Katanilaga Betalit voilà qu'on a dit la même chose pour le châle. Betalit il serait faima. Et est-ce qu'un châle il est destiné à être brûlé La a dit oui, quand il y a des cas. On parle d'un cas où il y avait un incendie et le châle aurait dû être brûlé et donc pareil pour la plantation on parle d'un cas où il y avait un vent très fort et elle aurait dû être arrachée sa de donc on aurait pu croire que lui pensait que ça n'allait pas être sauvé je mari canada et c'est pourquoi il a fait le vœu quand je parle on vient nous apprendre que non le vœu a été fait sincèrement et il s'est effectivement interdit. La suite de la Michel disait Ces euh, plantations sont considérées comme un sacrifice jusqu'à ce qu'elles soient coupées. La demande douleur est-ce qu'il s'agissait d'une condition définitive Voilà, c'est évident qu'un beau jour, elle finirait par ne plus exister et donc être coupée. Ma barpeda dit Peda am chosrot ve kotshot il a voulu dire dans son vœu que jusqu'à ce qu'elles soient coupées, s'il les rachète, elles retournent à leur sanctification. Et s'il les rachète encore une fois, elles retournent à ça, à leur sanctification. Jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Et après qu'elles seront coupées, là, il pourra les racheter une fois et ce sera suffisant. Vers Ulama. Ou là, lui explique autrement qu'Évangélique, c'est tout, chouve, haine, pour dame. Après qu'elles auront été coupées, il n'aura plus besoin de les racheter parce qu'il n'y aura plus de sanctification. C'est la fin de l'étude du DAF Cafret de la feuille numéro 28.